fragile, la France est devenue fragile. Chacun le sait, beaucoup de décisions et d'événements fragilisent notre société, notre nation. La montée d'un multiculturalisme violent, d'un islamisme radical conquérant et d'un terrorisme que l'on tente de cacher ou nier. Les craintes d'une crise financière mondiale qui amènerait à taxer les comptes des particuliers. Les irresponsables qui nous gouvernent fragilisent notre peuple privé de sa souveraineté et de son identité, dépossédé culturellement et socialement. La France est fragilisée, de fait, elle disparaît sous nos pas, sous nos yeux. Dès lors, le rôle de TV Liberté est d'être un moule de résistance et de reconquête. Ensemble, nous avons contré la radicalisation du politiquement correct dans les médias en construisant un contrepoids puissant et indispensable. Pour le dire crûment, nous avons dit merde à la police de la pensée. Cette liberté et cette indépendance ont un coût, mais nous touchons des centaines de milliers et même des millions de personnes chaque mois. Ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, nous sommes solides. Donnez-nous les moyens d'amplifier la défense de vos idées, de vos modes de vie, de vos valeurs, de vos repères. Ensemble. Parce que nous sommes ensemble, nous formons une équipe solide, une communauté réelle solide. Nous sommes solides. Alors, aidez-nous maintenant. Je reçois aujourd'hui, chers téléspectateurs, mon fidèle complice André Posokhoff pour évoquer une figure bien oubliée de l'histoire politique française, puisqu'il s'agit d'André Tardieu, qui eut son heure de gloire au cours des années 1930 et qui, depuis, a été, encore une fois, complètement oublié des historiens jusqu'à une époque tout à fait récente, puisque l'excellent Maxime Tandonnet, qui avait publié il y a quelques moi, les parias de la République, le portrait d'un certain nombre d'hommes politiques qui avaient échoué dans leur carrière alors qu'ils apparaissaient très prometteurs, eh bien il a publié depuis un ouvrage consacré plus particulièrement à Tardieu et de plus il a réalisé une édition critique de l'ouvrage majeur d'André Tardieu, Le Souverain Captif, Souverain Captif étant le peuple. Est-ce que vous pourriez nous signaler chez quels éditeurs ? Alors, j'ai là le livre, oui. C'est chez Perrin. Maxime Tandonnet, André Tardieu, l'incompris. Et je dirais pourquoi il n'était pas incompris, notamment de la gauche, qui avait bien compris quel danger. Le danger. Le danger que représentait cet homme qui avait une dimension, une réelle dimension de l'État. Suspecté de bonapartisme camouflé. Oui, même de fascisme. Léon Blum, dès qu'on n'était pas d'accord avec lui, c'était tout de suite le fascisme. Et, dans l'historique de Tardieu, qui n'a eu une carrière politique que de 8 ans, parce que tout s'est lié, tous se sont ligués pour le combattre, l'écœurer, le faire partir. 8 ans pour un homme de cette dimension. Il faut voir qu'un homme comme Herriot, lui, a une carrière politique de 50 ans. Au très long cours. très long cours. Il a commencé en 1905, il a fini à l'Assemblée nationale, où il se rendait au perchoir en Charentaise. Mais avec un bilan évidemment considérable pour ce dernier intéressé. Tout à fait. Chez Perrin, pour la biographie du personnage,
par Maxime Tandonnet. Et alors, la réédition du Souverain captif, c'est chez quel éditeur ? Ah là, je l'ai ici. Perrin également. Perrin. Les excellentes éditions Perrin, spécialisées en histoire, qui font là un coup double tout à fait utile pour notre connaissance des années 30. Je l'ai laissé à la maison, mais j'ai aussi acheté La réforme de l'État. Mm-hmm. Mais il en avait en vue une œuvre considérable au plan de l'analyse politique, mm-hmm. de la conception politique, de la réforme de la Troisième République, mm-hmm. qui a été interrompue malheureusement par la guerre certes, mais surtout par le fait qu'il a eu une congestion cérébrale, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque les AVC, ouais. qu'il a laissé incapable d'utiliser ses membres, hein, les quatre ouais. membres paralysés, pas pouvoir utiliser la parole. Ouais. Ça a été en juillet 39, il est mort en septembre 45. Ouais, donc c'est un grand destin brisé, brisé ouais. certes par la maladie, mais oui. brisé par la classe démagogique ouais. et médiocre de la Troisième République. Ouais. Voilà, c'est effectivement un échec malheureux, car la Troisième République avait bien besoin de réformes. Il n'était pas le seul à le penser. Hein. On pourra d'ailleurs faire le parallèle oui, entre certaines démarches un petit peu analogues à l'époque. Mais on va d'abord préciser qui était le personnage, quel était son profil. Est-ce que je peux simplement dire de Maxime Tandonnet, qui oui. a derrière lui une œuvre considérable et oui. intéressante, mm-hmm. Dans plusieurs domaines, vous avez cité un de ses livres, il a beaucoup écrit sur l'immigration, oui. il a même été un précurseur hein, mm-hmm. sur l'immigration. Il a été le conseiller du président il Sarkozy. Il a été le conseiller de Nicolas Sarkozy. Un conseiller et bien peu écouté au final. Et sur son expérience de l'Élysée, il a écrit Au cœur du volcan, qui est extrêmement sévère pour un personnage ouais. qui n'avait ni l'épaisseur ni la dimension ouais. d'un homme dont nous aurions bien eu besoin comme André Tardieu. Ouais. Ah oui, là, alors André Tardieu, il est né en 1876, c'est un jeune bourgeois extrêmement brillant au plan intellectuel puisqu'il a eu plusieurs prix au concours général. Mmh. Il a présenté Normal Sup, Lettres, et il a été reçu tout à fait en tête. Et il n'a pas fait Normal Sup, il a dit non, je ne ferai pas Normal Sup. Il a surtout, de cette bourgeoisie parisienne, hérité de vertus dont on se demande parfois s'il en reste encore. L'amour de la patrie, le respect des valeurs républicaines, le sens du travail. Le sens du travail. Et ce sont des choses qui ont guidé. Pardon ? La méritocratie. La méritocratie, oui, la méritocratie. Alors, il a eu un parcours assez éclectique après, mais qui a été très formateur, puisqu'il est rentré au Quai d'Orsay, il a été reçu premier au concours du Quai d'Orsay, ce qui lui a permis d'être affecté à Berlin, où il a rencontré von Bülow, qui était un personnage important de la diplomatie, de la politique allemande. Après cela, il a été au cabinet de Waldeck-Rousseau, un personnage important de la Troisième ouais. République au début du XXe siècle, ouais. et il a, après cela, était intégré au ministère de l'Intérieur. Très curieusement, il avait une carrière magnifique devant lui de diplomate. Il a choisi cela au grand étonnement de sa famille parce qu'il s'est occupé de faire d'analyser, de faire des rapports sur le traitement des aliénés, des prisonniers, ce qui montrait que cet homme qu'on a appelé le mirobolant, je vais dire pourquoi, avait du cœur. On l'appelait le mirobolant parce que très extraverti, un entre-gens formidable. Hein, il a rencontré, par exemple, avant la guerre, il a rencontré von Bülow, comme je l'ai dit, mais Lyautey, il était connu, il avait rencontré Clemenceau, il est parti enseigner à Harvard. C'était un personnage facilement méprisant, hautain. Mmh. C'est Léon Daudet qui l'avait appelé le mirobolant, parce que, disait-il, il y avait une idée, que tout le monde a une idée toutes les secondes, et que peu de gens avaient la capacité de le suivre. Cela a beaucoup irrité par la suite, et on sentait la supériorité intellectuelle, c'était réellement un esprit supérieur. Et à
ses activités avant la guerre de 14 de haut fonctionnaire, il a été également journaliste. On pouvait être les deux. Il a collaboré au Figaro de Calmette et au Temps. Hein, le Temps qui a été un peu l'équivalent du Monde, avec un certain nombre de réserves pour la comparaison entre les deux, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Bah, disons que le Temps est devenu le Monde en 1945. Mais les tendances profondes du Monde, inspirées par Beuve Méry, n'étaient pas celles du Temps. Le Temps, c'était un peu l'organe journalistique officiel de la République, et Tardieu écrivait sur la géopolitique et la diplomatie. Il était très coté, d'ailleurs, il gagnait beaucoup d'argent grâce à ses articles. Il a été élu député en 1913, je crois, député de Marly-le-Roi, qui n'a pas eu le temps de beaucoup exercer ses fonctions de député, puisque la guerre a éclaté. Mais déjà, il avait un parcours intéressant, il était connu. Et la guerre, il faut signaler trois choses importantes. La première, c'est que mobilisé à 38 ans, il a été volontaire pour le front. Il a passé 6 mois sur le front, à Verdun, l'Isère et Verdun. Il a eu 3 citations et il était volontaire pour cela. Il y a rencontré Foch, il a été affecté au quartier général de Joffre, dans des fonctions notamment de communication. Il faut le signaler, engagé à 38 ans, capitaine de chasseurs à pied, il y a là un dévouement à la patrie dont il a gardé, d'une part, l'idéal patriotique et d'autre part, le contact avec les hommes du peuple, ceux qu'il commandait dans les tranchées ordres, et qui a été extrêmement important parce qu'il savait leur parler, notamment lorsqu'il circulait en province. Lorsque les États-Unis sont rentrés en guerre, on lui a demandé de partir aux États-Unis, qu'il connaissait déjà, puisqu'il avait enseigné à Harvard, pour organiser le commissariat général aux affaires de guerre franco-américaine. Bon, les Américains n'avaient pas d'armée. Ils n'avaient pas de matériel. L'artillerie américaine, l'aviation américaine ont été créées par la France, ainsi que les blindés. L'artillerie américaine a été créée par les Français. Mais les Américains avaient des matières premières, blé, acier, charbon, et il fallait organiser tout ça. Donc il est arrivé avec une équipe de 1200 personnes à Washington, New York, et il a réussi. Il a remarquablement réussi la fourniture de tous les moyens fondamentaux en matière première à la guerre. Maxime Tandonnet dit que l'aide américaine n'aurait pas été aussi efficace sans Tardieu, ce qui est quand même un très beau compliment. Et puis, donc il est devenu l'interface, puis il a été rapatrié, il est revenu en France pour s'occuper cette fois-ci de l'affectation, de la répartition de tout ce qui arrivait des États-Unis, ce qui avait été organisé au front, jouant ainsi un rôle essentiel. Il y a eu un autre homme qui est connu pour avoir également travaillé avec les anglo-saxons, c'est Jean Monnet. Et Jean Monnet ne s'est jamais occupé que du shipping, c'est-à-dire de l'organisation des transports, ce qui était important. Et d'ailleurs, il y a très bien réussi. Mais Tardieu était deux crans au-dessus. Clémenceau l'avait repéré et lui a demandé d'être son bras droit. Il a demandé d'être son bras droit et il a été le bras droit de Clémenceau pour le traité de paix qui a été négocié pendant le premier semestre 1919. Il a beaucoup travaillé, il a organisé les commissions, il a organisé les plateformes de discussion et de négociation concernant le traité de Versailles, notamment sur les garanties, les garanties anglo-saxonnes, américaines et anglaises. Qui se sont vite dissipées. Oui, le problème de la Rhénanie, le problème des réparations. Les garanties d'application du traité. Il était un jour où, visiblement, il avait des difficultés avec ses interlocuteurs.
Il a écrit au fameux colonel House, qui était d'ailleurs pas plus colonel que vous et moi, mais qui était en fait le véritable conseiller, le grand conseiller du président Wilson. Il avait obtenu gain de cause, une influence certaine. C'est extrêmement important parce que le traité de Versailles fait l'objet de nombreuses critiques, encore que ces critiques soient modulées. J'ai vu une émission sur LCP où les commentaires étaient quand même très équilibrés. Il a défendu le traité de Versailles dans un livre qui s'appelle « La paix », qui est un livre extrêmement intéressant, très très intéressant, où il fait la part des choses. Et souvent on cite le livre de Bainville, et beaucoup moins le livre de Tardieu. Mais le livre de Bainville, on est quand même étonné de voir que Bainville, dans son livre, regrette que l'Allemagne n'ait pas été partagée. Or, Tardieu, dans son livre, « La paix », explique très largement que ce n'était pas possible, que c'était complètement irréaliste. Donc, quelles que soient les faiblesses du traité de Versailles, Tardieu le défend, mais avec un certain nombre, de manière raisonnable. Je crois que c'est un livre important. Alors, il a été le bras droit de Clémenceau. Il est clair que le fait que le Sénat ait refusé de signer le traité de Versailles et conclu d'ailleurs un traité de paix indépendant avec l'Allemagne. Le Sénat américain, il faut préciser. Le Sénat américain a beaucoup heurté, Tardieu. Beaucoup. Et c'est vrai que l'une grosse faiblesse du traité de Versailles, c'est qu'il n'a pas été appliqué, tout simplement, et notamment à cause de cette non-signature. Comme les Sénats américains n'avaient pas signé pour le traité de Versailles, par conséquent la SDN, l'Angleterre s'est retirée, ce qui fait que les garanties françaises, les garanties françaises n'existaient plus, sauf l'occupation de la rive gauche du Rhin pour 15 ans. Alors, il a été très heurté par le fait que Clémenceau n'ait pas été élu président de la République, avec les intrigues de Briand. Qui avait quelques comptes à régler avec Clémenceau. Oui. Donc Clémenceau s'est retiré. Tardieu, vraiment, ça a été une grande première déception qu'il a beaucoup gardé dans son esprit. Et en 24, à la fin des 4 ans du bloc des gauches, du bloc du cartel des gauches. Non, vous savez, de l'Assemblée Bleu Horizon. Ah, la Chambre donc, Bleu Horizon, la Chambre du Bloc National. Le cartel des gauches qui est arrivé en 24 avec Herriot à la tête, et lui n'a pas été réélu. Il n'a été réélu, alors cette fois-ci à Belfort, qu'en 26. Et là, il y a le début de sa carrière, car le chèque du cartel des gauches en 2 ans a été total, sur tous les points de vue. Et c'est Poincaré qui a pris la relève en 26. Alors, une chose qu'il faut bien dire et qui ressort clairement du livre, c'est que, au fond, les seuls hommes politiques qui ont eu de la valeur, qui avaient une dimension entre les deux guerres, ont été des hommes de droite. C'est-à-dire Poincaré, avec ses limites juridiques, Tardieu, Barthou, en matière de diplomatie d'affaires étrangères, et Reynaud, qui avait lancé l'alerte sur l'armement français et qui était un excellent économiste, avec par contre des insuffisances lors de la débâcle. Donc il est devenu en 26, il a eu son premier ministère des travaux publics, et là, il a pu donner complètement la mesure de son dynamisme, allant sur le terrain, ponctuel, animant ses équipes, tout de suite est apparu comme quelqu'un de particulièrement capable. Il s'est attaqué à la rénovation du réseau routier, il a lancé la première idée d'une autoroute, c'était l'autoroute de Normandie, ça n'a pas beaucoup progressé après Tardieu, puisque lorsque j'étais gamin, ça s'arrêtait en concours. Donc, ou Orgeval peu de temps après. Il s'est également attaqué à la réorganisation des chemins de fer français, qui avaient beaucoup d'accidents. On aimerait qu'un Tardieu arrive pour la situation de nos chemins de fer, qui passent leur temps à tomber en panne. C'est lui qui a découvert Raoul Dautry. Oui.
Il a voulu moderniser ses infrastructures de transport, combler les retards d'équipement. Il a également, il s'est également montré un homme de dialogue social, puisqu'en 1927, il a évité une grande grève des houillères, alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, la grève des houillères, et derrière la grève générale, avait duré 6 mois. Et par sa capacité de dialogue, en participant aux négociations dans son ministère avec le patronat et puisqu'à l'époque, ce n'était pas nationalisé, les houillères et les syndicats, il est arrivé à réduire les salaires, mais en même temps, à ce qu'il n'y ait pas de licenciement. Une solution qui a été acceptée à la grande fureur des communistes. Et à l'Assemblée nationale, il a répondu aux communistes et d'une manière définitive, en expliquant, si vous voulez la situation de l'Angleterre, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et là, il est devenu une notabilité nationale. Et puis, en 1928, et ça aussi, ça l'a scandalisé, les 4 ministres radicaux, dont Herriot, ont démissionné du gouvernement d'Union nationale parce qu'au congrès d'Angers du Parti radical, on a dit « on ne veut plus d'Union nationale ». Et les 4 ministres, dont Herriot, ont démissionné. Ça l'a scandalisé parce que cela montrait que la politique dépendait d'un parti, d'un simple congrès qui n'était pas… Et ça, ça rejoindra ces réflexions des années 30 sur la liberté, la souveraineté du peuple. – C'est déjà la critique du régime des partis qui accablait Charles de Gaulle plus tard. – Eh bien, de Gaulle, le général de Gaulle s'est beaucoup inspiré de ce qu'a écrit, et Michel Debré se sont beaucoup inspirés de ce qu'a écrit Tardieu. Il est à regretter que Tardieu n'ait pas pu finir son œuvre. Perfit raconte que un jour, de Gaulle lui avait demandé « Mais est-ce que vous avez lu la réforme de l'État de Tardieu ?» Et Perfit a dit non. Il a dit « J'ai senti dans le regard du général une forme de commisération. » Alors, il est devenu ministre de l'Intérieur, puisque Poincaré a gardé une majorité, réduite, mais une majorité, et il est devenu ministre de l'Intérieur. C'est extrêmement important, parce qu'il s'est fait des ennemis redoutables. Les radicaux, et les francs-maçons, le Grand Orient, considéraient que le ministère de l'Intérieur leur appartenait, c'était leur propre propriété. Leur revenait de droit. Notamment à cause, le ministère de l'Intérieur, c'est les cultes, et qui dit les cultes, c'est la laïcité, et si on veut continuer à détruire l'Église catholique, il faut avoir les cultes. Or, il a accepté l'Intérieur, malgré certains conseils contraires, et là, il s'est fait des ennemis implacables qui le pourchasseront tout le reste de sa vie politique, et même après. Et puis il s'est fait des ennemis des communistes, parce que les communistes, le 1er mai 29, voulaient mettre Paris à sac. Et il a réussi à le mater et à s'en prendre à Cachin en pleine Assemblée nationale et à lui couler le bec. Ce sont des réussites, mais il y a les prémices un peu de l'échec final. Pour revenir aux radicaux, le reproche qui a été fait au Mirobolan, c'est son refus de donner aux loges maçonniques des signes d'allégeance, signes que tout gouvernement d'aujourd'hui doit donner. Autrement dit, il a refusé de faire ce que font tous les gouvernements d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller au CRIF et de faire allégeance à toutes les organisations communautaires possibles et imaginables. Dans ce cadre-là, c'est un grand républicain. Alors, il est devenu président du Conseil en novembre 29, puisque Poincaré est tombé malade, il est mort en 34, je crois. Il le sera 3 fois, mais surtout, ce sont les 2 premiers... Alors, il a été au total président du Conseil 15 mois, puisqu'on passait son temps à avoir des crises ministérielles. Alors, dans la première, et là, c'est extrêmement important... dans la première des présidences des conseils, c'est à ce moment-là qu'a éclaté la crise de 29. Et il a estimé qu'il fallait relancer l'économie, et à l'époque, la France avait des excédents budgétaires. Je répète, la France avait des excédents budgétaires. Poincaré était passé par là. Voilà. Et a nommé Chéron aussi. Et il a entrepris de vouloir moderniser la France. En équipement et outillage industriel, puisque nous avions un très gros retard sur l'Allemagne, retard explicable par la guerre, puisqu'en partant en 18, l'Allemagne avait tout ravagé, mais aussi par insuffisance d'investissement. Donc il a voulu lancer cet équipement, cette politique des
cela s'est heurté à l'hostilité de Léon Blum. Pourquoi ? Parce que Léon Blum estimait que c'était au fond socialiste à s'occuper de ça, que Tardieu au fond prenait en charge sa propre politique, que c'était un homme trop autoritaire, et ils ont tout fait pour empêcher cette, cette politique d'équipement, alors même que nous on a pu voir, et nous en avons parlé lors de la drôle de guerre, le problème de la France a été l'insuffisance d'un équipement pour pouvoir produire des armements en 38-39. La deuxième chose, c'est... Alors, la politique de grands travaux était influencée par la théorie keynésienne et anticipait le New Deal. Et l'outil financier était de sortir de la règle budgétaire d'un an et d'instaurer un compte spécial utilisable pendant 5 ans. Donc, c'était vraiment, vraiment très en avance sur son très temps. Très innovant, oui. La deuxième chose extrêmement importante, c'est le projet d'assurance sociale. Mm-hmm. En 1928, il y avait eu, sous Poincaré, une loi sur les assurances sociales qui avait été enterrée. Il l'a relevée avec, comme ministre du Travail, Pierre Laval. Et c'est sous Tardieu, lors d'un gouvernement de droite, que les assurances sociales enfin ont été battues et ont été bâties et ont été mises en place. Donc en avril 30, une loi a été votée qui a permis l'affiliation obligatoire des salariés, défini le champ d'application couvrant la maladie, les accidents du travail et la retraite. Face au retard social qui est absolument accablant de la Troisième République, classe politique de petits bourgeois, de petits entrepreneurs, de petits commerçants qui n'avaient absolument pas envie de bâtir un système social. – Ils n'avaient pas la fibre sociale. – Non, beaucoup moins que les patrons, car les allocations familiales ont été, les premières allocations familiales ont été mises en place par des patrons. Tardieu a créé, entendu, on parle toujours de 45, mais c'est en 30, pas en 32, mais en 30-31, que Tardieu a réussi à mettre en place une sécurité sociale et a fondé le modèle social français. C'est quand même important de le dire, car tout le monde pense que face aux méchants patrons qui refusaient tout progrès social, c'est la gauche en 36 et en 45 qui a bâti ce modèle social français. Je crois que là, il faut faire de la réinformation. Il faut aussi parler du catholicisme social. Bien sûr. Qui a beaucoup joué, Landry, par exemple. Alors, Tardieu est tombé sur un des nombreux scandales qui ont émaillé la vie politique de la République parlementaire, c'est l'affaire Oustrick, qui est une pré-affaire Stavisky, je ne rentre pas là-dedans, ça nous prendra de temps, puis c'est sans intérêt, on en a pris prétexte. En réalité, il a été chassé par un bloc de haine. Mais bloc de haine, le mot n'est pas trop fort, que sa personnalité avait suscité au sein de la gauche. Les radicaux et les loges maçonniques l'ont voulu d'avoir occupé l'intérieur. Lorsque Tardieu a demandé à Herriot, patron chef du parti radical, de travailler avec lui, Herriot quasi systématiquement l'a refusé. Il s'est heurté à un refus. Ce qui comptait pour les radicaux, c'était la lutte contre le catholicisme. Et on ne dira jamais assez le mal qu'a fait à la France cet homme qui disait toujours oui aux propositions de désarmement des anglo-saxons et des anglais, et qui s'est toujours opposé à des progrès économiques et sociaux qu'il était incapable de promouvoir. De même, Léon Blum a combattu la politique des grands travaux et d'outillage national, et cette politique de grands travaux est tombée. N'a pas pu se réaliser. Léon Blum était incapable de comprendre la portée d'une telle politique. Donc, ce que je disais, c'est que Tardieu n'est pas un incompris, contrairement au titre de Maxime Tandonnet. La gauche avait parfaitement compris le danger que représentait cet homme d'État au sein de la... Et puis toute la classe parlementaire aussi, parce qu'il insistait beaucoup sur l'impuissance du régime parlementaire de l'époque. Et puis, la corruption... Il faut rappeler qu'entre 32 et 33, il y a 5 gouvernements. Au moment où Hitler est en train d'arriver au pouvoir en Allemagne, il y a 5 gouvernements qui succèdent en un an. Il voulait faire plusieurs livres, dont l'un était la profession parlementaire. Mais
qu'il n'est pas possible de trouver, mais où il décrivait exactement ce que c'était. Il raconte que lorsqu'il était au pouvoir, il a été obligé de poser la question de confiance des dizaines de fois, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas travailler. Il a, le Parlement, le contrôle parlementaire était une forme de dictature sur l'exécutif qui ne pouvait pas travailler, qui ne pouvait pas avancer. Alors, et il avait comme ennemi, évidemment, les communistes. La chute de Tardieu a enterré et définitivement le plan de modernisation. J'en ai parlé. 10 ans après, on avait bien besoin de ce plan pour le réarmement. En 1932, après son troisième gouvernement, c'est le cartel des gauches, et Riot redevient président du Conseil, qu'il sera obligé d'abandonner au bout de 2 ans pour le donner essentiellement à Pierre Laval. Hein. – Laval, oui. Et puis surtout, il y avait une chambre qui était devenue pratiquement ingouvernable parce que les élections de 1932 n'avaient pas dégagé une majorité comparable à ce qu'avait été la majorité poincariste des législatures précédentes. Alors, Tardieu va se faire éditorialiste en écrivant dans Gringoire. Alors, Gringoire est très... on a une mauvaise vue sur Gringoire parce que Gringoire était collaborationniste pendant la guerre. Mais Gringoire, c'était un journal, un périodique extraordinaire avec 500 000 parutions, ouais. Hein, 500 000 très lu. Éditions... et 2 à 3 millions de lecteurs à 80% littéraires. Et il y a eu entre Tardieu et Carbuccia, dont il faut lire les mémoires, hein, La naissance de l'enfer, c'est extrêmement intéressant. Il y a eu un accord, il y a eu un accord financier qui, en 38, a un peu dévié parce que Tardieu était très anti-munichois, alors que Carbuccia et son journal étaient plutôt pro-munichois, mais... Carbuccia a dit, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la première, vous pouvez l'écrire. Donc, il a écrit dans Gringoire, et c'est là qu'on peut dire que ses grands thèmes, ça a été, d'une part, le danger hitlérien, contrairement à Blum. Vous savez, Blum, c'était « désarmons, les Allemands désarmeront ». – Oui, puis surtout, un aveuglement de Blum après le relatif revers électoral subi par Hitler en 1932, expliquant que Hitler était écarté de l'espérance même du pouvoir. – Tout à fait. – Donc, un aveuglement vous complet. Savez, je crois qu'il y a peu d'hommes politiques en France qui aient aussi peu compris les choses, qui soient aussi souvent trompés. Il ne s'agit pas d'antisémitisme. Je crois que c'est vraiment un homme, avec Hériot, les deux, et Daladier, encore que Daladier ait eu de bon côté, qui ont causé un tort incroyable à la France. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en 1934, il y a eu le 6 février, oui, gouvernement Daladier. Qu'en pense Tardieu, justement, du 6 février? Comment réagit-il Tardieu face aux émeutes du 6 février 1934? Il n'a pas... Il ne s'est pas exprimé clairement. Il ne s'est pas exprimé énormément. Mais je crois que dans son esprit, la vérité était qu'au départ, le 6 février était un mouvement d'anciens combattants, que les ligues s'y sont jointes. Il y a quand même une ligue qui aurait très bien pu emporter l'Assemblée nationale, enfin à l'époque, la Chambre des députés, qui ne l'a pas fait, c'était les Croix de Feu, le PSF, qui est resté bloqué rue de Bourgogne. Alors c'est vrai que à l'Action française, Filleul et ceux qui le suivaient ont attaqué les gardes mobiles à cheval, et que les gardes mobiles ont tiré affolés par ce qui se passait, mais globalement c'était pas un coup d'État fasciste. Hein. C'est historiquement, il faut dire les choses, c'était les anciens combattants abérés, les drapeaux. Ouais. Et là-dessus, il y a eu un gouvernement d'union nationale avec Doumergue. – Voilà. – Et Tardieu devait s'occuper de la réforme de l'État. Déception complète, on a éliminé, parce que pour la réforme de l'État, il voulait le vote des femmes, ça n'a pas eu lieu. Il voulait la possibilité de dissoudre l'Assemblée. Bon, il voulait le référendum, refusé. Et surtout, il voulait que la Chambre des députés ne puisse pas, le Parlement ne puisse pas engager des dépenses proprio motu, sans l'accord de l'exécutif. Il devait contrôler, il ne devait pas engager de dépenses ou diminuer des recettes. Tout ça n'est pas passé. Et c'est Léon Blum qui a refusé
qui a combattu toute cette politique de réforme de l'État, et Hériot est suivi. Et le dernier espoir de réformer l'État, c'est terminé là. À partir de ce moment-là… – c'est l'époque des décrets-lois de Gaston Doumergue, qui était au gouvernement à ce moment-là. Pour passer par-dessus les blocages parlementaires, il espérait, vu la circonstance et la situation de la France, gouverner de cette manière, et ça a été au final un échec. Il faut bien voir que les excès du législatif ont abouti à des décrets-lois. La France a été gouvernée par des décrets-lois sous le gouvernement d'Aladier en 38 et 39. C'est ça, en 38-39. Et on a assisté bien tard à une résurrection de la France en 38-39, au plan économique, oui. Au plan financier. Au plan du réarmement. Au plan du réarmement, aussi, mais oui. Parce qu'il y avait des décrets-lois. Daladier a cassé la grève générale de la CGT en novembre 38. Cela montrait qu'on ne pouvait avancer que s'il y avait un exécutif fort. Ouais. Et là-dessus, Blum parlait de fascisme, de tendance césariste, etc. Alors qu'au bout du compte, ce qu'espérait, ou ce que pouvait espérer un homme comme Tardieu, mais d'autres à l'époque, comme le colonel de la Roque et ses Croix-de-feu, c'était un régime à beaucoup d'égards qui aurait ressemblé à ce qu'a été la Ve République 20 ans plus tard. Je voudrais dire aussi autre chose sur les décrets-lois, c'est que le Parlement du Front Populaire a donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Mmh. Bon. Mais les pleins pouvoirs d'Aladier et Reynaud les avaient déjà. Mmh. Ce n'était que la continuation, avec une différence, c'est qu'entre les deux, il y avait eu un désastre absolu. Mmh. Donc, ce n'était pas nouveau, ça avait déjà été fait. Alors, Tardieu s'est retiré à Menton totalement écœuré, furieux, rompant avec ses amis. Donc il a continué à écrire dans Gringoire et il a beaucoup écrit contre Hitler jusqu'à lui envoyer une lettre ouverte. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'influence sur Adolf Hitler, mais ça avait fait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Il a écrit donc il avait toute une œuvre devant lui à faire, donc il avait écrit la réforme de l'État en 1934, et en 1936, il a commencé toute une œuvre où il devait y avoir 4 livres qui devaient sortir, dont La profession parlementaire, Le souverain captif, La profession parlementaire et d'autres. Du fait de sa maladie, il n'a pas pu sortir les derniers livres, produire les derniers livres, mais il a effectivement fait éditer Le souverain captif, où il remet en cause l'héritage de la Révolution française, qui montre quand même une grande évolution, en disant les Lumières, ce n'a été qu'un orgueil, et quant à la Révolution française, elle a fait table rase. – Il s'inscrivait un peu dans la tradition d'Hippolyte Taine et de ses origines de la France contemporaine sur ce terrain-là. – Il s'est beaucoup inspiré de… Il voulait faire une œuvre à la taille de celle de Taine. Okay. La maladie l'en a empêché, mais ce qu'il a écrit est extrêmement important. Il a bien expliqué dans son livre Le souverain captif que la liberté du citoyen est complètement mise sous le boisseau, que l'égalité n'existe pas. Il s'est insurgé contre le fait qu'il n'y avait qu'un quart du corps électoral qui votait, et il a beaucoup écrit sur le vote des femmes, alors même que dans le monde entier, ce vote des femmes retenait. Il faut se souvenir fondamentalement que c'est la gauche et le Sénat radical qui s'y opposaient, contrairement à ce qui est dit. – Parce qu'on craignait que ces dames votassent en faveur du parti clérical. – Avec l'idée que les hommes vont le dimanche matin au café et que les femmes vont à la messe. Voilà. Et je rappelle une chose qu'on oublie aussi lorsqu'on parle du vote des femmes, c'est que les militaires ne votaient pas, le maréchal Pétain ne votait pas, le colonel de Gaulle ne votait pas. Donc, ce souverain captif, il insiste sur la corruption du principe de la souveraineté populaire. La guerre de 39 a été déclarée par un viol de la Constitution, et nous avons des exemples aujourd'hui avec le référendum de 2005 suivi du traité de Lisbonne de 2009. Je ne m'étendrai pas plus longtemps puisque le temps nous presse. Et ces livres ont une
d'importance réelle, puisqu'ils ont servi au général de Gaulle et à Michel Debré à bâtir la Ve République 25 ans après. Donc deux observations que fait Maxime tant donné, c'est que Tardieu n'a à aucun moment été un factieux. Il était viscéralement attaché au suffrage universel, aux libertés, aux principes fondamentaux de la République, c'est-à-dire à l'existence d'un Parlement, mais un véritable Parlement. Un Parlement efficace. Jamais il n'a remis en cause l'organisation institutionnelle autour d'un Parlement issu de la nation. Il avait horreur des dictatures et du pouvoir personnel. À ses yeux, l'homme d'État est le serviteur de la nation, à sa disposition le temps nécessaire dans le respect de la légalité. L'autorité ne se conçoit pas en dehors d'un contrôle démocratique, elle ne se justifie que par le service de l'intérêt général. Et c'est précisément, et je l'avais écrit dans un article pour Polémia, ce que pense la plus grande partie de ce qui est qualifié la fachosphère, c'est l'intérêt général, l'intérêt de la nation, l'intérêt de l'Europe, et non pas l'intérêt des partis. Et si effectivement la Ve République s'est inspirée de Tardieu, Tardieu comme Éric Zemmour, dit, la constitution de la Ve République gaullienne a été dévoyée, notamment par l'adoption du quinquennat. Les défauts de la XVIe République fustigeaient le mirobolant, Tardieu, ont revu le jour, carriérisme, démagogie, obsession de la réélection, corruption et scandale, impuissance de l'État, violence, ça je crois que de ce côté-là nous sommes en train de donner, pauvreté, nous donnons, et abaissement de l'autorité de l'État, c'est un État, c'est à nouveau tout ce qu'a écrit Tardieu est d'actualité. Eh bien, voilà une conclusion qui me paraît tout à fait pertinente. Merci, merci beaucoup de nous avoir éclairé concernant ce personnage politique bien oublié aujourd'hui, mais qui, à beaucoup d'égards, était à l'évidence tout à fait en avance sur son temps, selon l'expression consacrée. Merci. Je reçois aujourd'hui Véronique Péan. Véronique Péan, qui a fait carrière dans l'édition, mais qui est ici pour une autre raison, parce qu'elle fut, il y a quelques années maintenant, une militante très active d'un mouvement politique qui s'appelait Ordre Nouveau, et un mouvement un peu oublié aujourd'hui, il est vrai, qui n'a pas encore véritablement intéressé les historiens, mais un certain nombre d'anciens ont décidé de réaliser un ouvrage, il y a une cinquantaine de contributions, intitulé « Ordre Nouveau 1969-1973, raconté par ses militants ». Aux éditions, témoignages et documents, le plus simple pour les Parisiens, c'est d'aller se le procurer à la nouvelle librairie rue Médicis, qui est maintenant bien connue. Alors pourquoi Véronique Péan? Parce qu'elle a été une des chevilles ouvrières de la réalisation de cet ouvrage, auxquels ont participé, je l'ai dit, une cinquantaine de collaborateurs. Et ça nous permet d'avoir une image à la fois diverse et en même temps très complète de ce que fut cette expérience politique très courte, hein, 1969-1973, dans un contexte bien particulier, qui était celui de l'après-1968. Et cet ouvrage nous apporte de fait une synthèse tout à fait utile, car c'est un sujet qui, de fait, n'avait jamais été véritablement abordé. Il y avait eu des ouvrages il y a quelques années concernant le mouvement Occident, qui était un peu un ancêtre d'Ordre Nouveau. Mais ce dernier mouvement, on l'évoquait à propos de la genèse au début des années 80 du Front National, mais les témoins ne s'étaient en fait jamais véritablement exprimés, les témoins et les acteurs. Alors, Véronique Péan, Ordre Nouveau,
Pourquoi ? Vous êtes, je prends votre cas personnel, votre parcours personnel, vous êtes une jeune étudiante au début des années 70, hein, oui. Et vous allez vous retrouver dans cette organisation très jeune, hein, oui. en moyenne d'âge, de gens qui peuvent apparaître comme un peu excités, comme des activistes qui ne reculent pas devant la bagarre, à un moment où la chose n'était pas évidente du tout, car il faut se rappeler ce qu'était le contexte de l'époque dans les années suivant 1968. Alors, quelles sont les raisons qui vous poussent à de telles fréquentations ? Ma découverte de la France. Moi, j'ai été élevée dans une famille qui était à l'étranger. Et j'avais donc une certaine idée de la France. Et puis, avec ma famille, on a vécu un certain nombre d'événements à l'étranger, que ce soit la décolonisation en Guinée. Ensuite, ça a été en Grèce, le putsch des colonels. Ensuite, nous avons vécu quelque temps à l'Est. Donc, j'ai vu de mes yeux un certain nombre d'événements que j'ai retrouvés, enfin, que j'ai vu en France, enfin, j'ai vu en France, quand nous sommes installés en France, comment ces événements étaient décrits. J'ai découvert le mensonge d'État. J'ai découvert très jeune le politiquement correct, qui n'avait aucun rapport avec la réalité que j'avais vue. Le mensonge médiatique déjà en place. Le mensonge médiatique, la manipulation. Donc ça m'a un peu crispée. Tu as rappelé que j'étais une lycéenne, une étudiante, une bonne élève. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était tout à fait intéressé par la réalité, par la science, par... Et quand j'ai découvert ça, je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette doxa officielle qui racontait des mensonges. Donc j'ai voulu lutter contre ça. Et il se trouve que j'ai rencontré Ordre Nouveau, oui. Un petit peu par hasard, assez soutenu par mon père, Georges Péan, qui était un homme extrêmement libre d'esprit et qui avait toujours aimé nous éduquer, mon frère et moi, dans ce sens de changer les projecteurs, changer l'angle de vue. Et voilà. Il y avait des conditions générales pour fabriquer une rebelle. Eh bien exactement, voilà. Exactement. Bon. Tout ça dans... la plus parfaite, la ligne de conduite parfaite de la bonne élève qui a son bac à 17 ans et qui mentionne très bien, enfin vraiment quelqu'un d'irréprochable vu de l'extérieur, mais qui à l'intérieur contestait tout. – Oui, mais alors après, quel parcours irréprochable, mais pas pour longtemps, parce qu'au regard des critères d'aujourd'hui, Ordre Nouveau, c'est quoi ? C'est la peste brune, c'est le fascisme, c'est tout ce qu'on veut. – Et qu'en était-il en réalité ? Bah, en réalité, il y avait un petit peu tout, et je crois plus de bons que de mauvais. Quelques excités, sans doute, que vous savez, on a réussi à exfiltrer assez vite, assez facilement. Quand vous avez un mytho, un excité, un farfelu qui arrive, parfois il suffit de l'emmener coller deux ou trois nuits pour qu'il disparaisse de lui-même. – Ça calme ses ardeurs. – Exactement. Et puis, finalement, ce qui reste d'Ordre Nouveau, enfin moi ce que j'ai remarqué, surtout lors de la préparation de ce livre, c'est que les deux grands thèmes d'Ordre Nouveau sont ceux qui aujourd'hui structurent tout le débat public. L'immigration, oui. La construction européenne, et la menace que l'Union européenne fait peser sur l'identité des peuples européens. Et ça, je crois que c'est ça qui reste, et je crois que c'est ça qui fait l'intérêt. – Ça fait toujours du bien d'avoir eu raison avant tout le monde. – Oui, absolument, c'est bien, non, mais ça prouve qu'on n'était pas qu'une bande d'excités. Nous étions très dynamiques, très activistes. Mais on savait au moins pourquoi. – Alors, ce mouvement, cette organisation, il ne sort pas du néant. Il y a eu des antécédents. Ordre Nouveau vient d'où ?– Oh, ben alors, il y avait eu Occident, qui venait d'être dissous, toute une série d'organisations de droite, d'extrême droite, dont je ne sais pas grand-chose, finalement. Il y avait vraiment une nouvelle génération militante. – Exactement, là. Une nouvelle génération, une nouvelle volonté, un nouvel activisme. Il ne s'agissait plus de se battre exclusivement pour la religion française, la cause était entendue, c'était terminé. Il fallait inventer autre chose. Et
Il y avait à l'époque cette chape de conformisme gauchisant héritée de mai 68 qui était franchement exaspérant pour les jeunes gens libres d'esprit. Je crois que c'était notre caractéristique. Et qui était plus qu'un conformisme, c'était même une terreur physique pas mal d'endroits. D'accord, mais même dans les journaux, dans la presse, dans les familles, il fallait être pseudo-gauchiste, il fallait être dans ce... C'était insupportable pour des jeunes gens libres que nous étions avant tout, donc anticonformistes. Et alors quel rapport, par exemple, avec Occident? Est-ce qu'il y a un lien direct à travers certaines personnalités? Oui, bien sûr. Il y avait Alain Robert, qui était à Occident, et qui a été le patron inoubliable d'Ordre Nouveau. D'autres, sans doute, mais pas que. Pas que. Oui, parce que les anciens d'Occident avaient déjà pris leur retraite, entre guillemets, en se reconvertissant dans le jeu politique. Je pense à Gérard Longuet ou Alain Madelin, par exemple, en se reconvertissant très, très brillamment d'ailleurs. Mais là, effectivement, on a affaire à une nouvelle génération, parce que le souvenir que j'en ai, ayant connu en amont l'expérience d'Ixier-Vignancourt en 1965, à Ordre Nouveau, il y a une caractéristique alors tout à fait évidente, c'est la jeunesse. La génération d'avant, elle n'est pas là. Il y a quelques exceptions amusantes. Je me souviens d'Hilaire Chollet, vieux monsieur qui se souvenait avec émotion du 6 février 34. Et qui nous le racontait régulièrement et qui nous passionnait. Exactement. Mais ce qui était vraiment frappant, c'était l'extrême jeunesse de ce mouvement. Ce qui était peut-être en soi aussi, dans le long terme, une certaine faiblesse. On l'a vu dans l'évolution ultérieure, puisque Ordre Nouveau, il faut bien le dire, à un moment donné, a donné naissance au Front National. Mais finalement, le mariage s'est mal passé. Là aussi, on peut le penser, pour des raisons personnelles, bien sûr. Le profil un peu particulier de Jean-Marie Le Pen, et puis des raisons générationnelles. Exactement, générationnelles, parce que au moment où le Front National se crée, se lance, bon, mais nous on a l'âge où on doit se marier, faire des enfants, mais ça compte, je suis sûre que ça compte. Il y a eu un temps où la génération Ordre Nouveau s'est dit, bon, bah, peut-être penser maintenant à la famille. Peut-être ça a joué, ça aussi. Et la jeunesse a dû basculer à ce moment-là, quand on est devenu des jeunes adultes. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'immigration, la question de la construction européenne, mais il faut bien rappeler aussi qu'au départ, le moteur principal, c'est l'anti-gauchisme et l'anti-communisme. Bien sûr. C'est la matrice commune de tout un ensemble de mouvements d'organisation durant toute cette séquence. Ça avait commencé dans les années 50 avec Jeune Nation, l'anticommunisme né de la répression contre l'insurrection de Budapest, les combats perdus pour l'Algérie française et encore la guerre du Vietnam. Et la guerre du Vietnam, bien sûr, ça c'était un élément tout à fait essentiel en ces années 70. Hein. Il faut rappeler l'offensive du Tet, c'est 1968, c'est en parallèle avec nos événements universitaires. Et la crise sociale que l'on sait en France. Donc c'est quand même le moteur, principal, hein, l'anti-gauchisme. Mais allez-y. À l'époque, notre ciment commun, notre principal combat, c'était un anticommunisme, je le dis sans honte, viscéral. Vous avez parlé de Budapest, je vous parlerai de Prague, je vous parlerai de la guerre du Vietnam, c'était viscéral. Quand on voyait dans nos facultés ou sur nos marchés des communistes, solidaires donc de ces catastrophes de Prague, de Budapest, de Prague ou du Vietnam. Mais aujourd'hui, et il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, la puissance du Parti communiste en France, aujourd'hui le Parti communiste n'existe quasiment plus, enfin, c'est anecdotique. C'est marginal. C'est presque risible. Mais à l'époque, c'était une force considérable. C'est 20% des voix sur le plan électoral et toutes les organisations dérivées qui encadrent dans une très large mesure la vie intellectuelle, la vie sociale du pays. Mais aujourd'hui,
c'est fini. Cet aspect des choses. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'immigration et des menaces sur l'identité européenne, parce que ce sont les deux thèmes qui surnagent aujourd'hui, qui sont même devenus des thèmes majeurs. Mmh. Et c'était les trois thèmes d'ordre nouveau. L'anticommunisme. Mmh. L'identité, l'immigration et l'identité, mmh. et une construction européenne. Nous étions un mouvement pan-européen, oui, tout à fait. Rien à voir ça, avec l'Europe de Bruxelles. Ça, évidemment, c'est un point qu'il convient de préciser. Il y a à cette époque, dans toute une génération de jeunes, du fait de la déception qui était celle suivant l'échec de l'Algérie-France, etc., il y a une tentation européenne très forte. Ouais, ouais. Je me souviens du mouvement créé par le Belge Jean Thiriard, Jeune Europe, qui s'inscrivait ouais. tout à fait dans cet esprit. On voit au début des années 60 Dominique Wehner lancer Europe Action, alors qu'il avait été l'un des piliers de Jeunes Nations quelques années auparavant. Donc Ordre Nouveau s'inscrit quand même dans une perspective très, très européenne à l'époque, hein, et avec des liens d'ailleurs étroits avec certains mouvements en Europe, beaucoup ah oui. plus étroits que ceux avait été le cas, par exemple, pour Europe Action ou la sûr. Fédération des Unions Nationalistes quelques années plus tôt. Hein. C'est en cela, je le dis, que nous étions extrêmement modernes, même si a priori on ne payait pas de mine. Mm-hmm. Moderne, audacieux, imaginatif, créatif. Mmh. Et je crois que c'est pour ça qu'on parle de nous encore aujourd'hui. Oui. – Et alors, y a un aspect, il y a une dimension qui est intéressante aussi. Vous avez dit créatif, oui. Ordre Nouveau a produit des images oui. Intéressantes. Alors je pense notamment à Jacques Marchal, qui est un dessinateur d'un très grand talent, et les gens se reconnaissaient ou trouvaient des références à travers sa manière de présenter les choses. Hein, on se souvient des fameux rats noirs, du Gude, etc. Il y avait une espèce de volonté de créer quelque chose qui était un peu le contraire de Charlie Hebdo, quelque part, à l'époque. Oui, oui. Charlie Hebdo devenu Charlie oui, Hebdo, oui, oui, oui. Bon, c'était des caricatures provocatrices, etc. Ben, il y a eu cette tentative-là aussi, ce qui était un phénomène nouveau dans cette sphère oui. Politique, avec Ordre Nouveau. Je me souviens l'affiche, par exemple, contre le voyage de Brejnev en France. Oui, Brejnev la peste, qui avait mobilisé là, de nombreux militants. C'était l'une des caractéristiques ça, d'Ordre Nouveau. Et puisque nous parlons de création, d'imagination, j'ai une pensée pour Olivier Carré, oui. Qui malheureusement disparu en 1994. Et qui était un peintre de grand talent et qui avait fait ses premières armes militantes ouais. donc à Ordre Nouveau ouais. au début des années 1970. Alors il y a une question également que l'on peut se poser concernant Ordre Nouveau, c'est l'attitude vis-à-vis du gaullisme, l'attitude vis-à-vis des institutions de la Ve République, parce qu'il y avait un lourd passif bah, oui. avec De Gaulle. Bah, oui. Les gens d'Ordre Nouveau lui reprochaient avant tout oui. Ce qui s'était passé en Algérie, la trahison des promesses qui avaient été oui. faites en 1958. Mais en même temps, De Gaulle avait créé une Ve République qui était un peu aux antipodes de la République parlementaire qui était la quatrième et qui brillait évidemment par son impuissance et son caractère oui. Dérisoire à beaucoup d'égards. Alors est-ce oui. qu'il y a... Voilà, alors là, ce que vous décrivez là, la Ve République qui apparaît comme une amélioration par rapport à la quatrième, et honnêtement, pour les gens comme moi à l'époque, je ne sais pas si c'était franchement sensible. On ne le percevait pas. Ce que je savais de Gaulle, c'était oui. la décolonisation, c'était l'Algérie, oui. c'était ensuite le refus de gracier un certain nombre de condamnés. Oui. C'était ça. Alors maintenant, les historiens, les analystes, j'ai envie de dire les adultes, peuvent, 50 ans après ou 30 ans après, dire ah ben oui, de Gaulle avait ci ou ça qui était bien. Mais ça, on ne le voyait pas. On ne le voyait pas du tout. Enfin, je veux dire, ma génération. Oui.
Oui. Si vous permettez, ce qu'on voyait aussi, c'était le régime gaulliste. Ce qu'on appelait le gaullisme immobilier. Des affaires, des embrouilles. C'était une image tout, pas très sympathique. On n'avait pas du tout une bonne image. Évidemment. Et on n'allait pas chercher à savoir si au niveau des institutions, il y avait un progrès. Alors c'est le moment aussi où se reconstitue une gauche autour de Mitterrand et du congrès d'Épinay, du Parti Socialiste. Nous sommes là aussi au début des années 70. Est-ce que on n'a pas le sentiment du côté d'Ordre Nouveau que à partir d'un certain moment, les carottes sont cuites quelque part. Pompidou a récupéré l'héritage gaullien, la gauche se reconstitue puis autour de Mitterrand et pas autour des communistes comme on l'avait craint pendant longtemps. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème d'espace politique qui paraissait bien bouché? Parce que Tixier-Vignancourt avait fait ses 5 et quelques pourcents de voix en 65 et ça avait été une énorme déception au vu de l'investissement militant qui avait été réalisé, alors qu'en fait c'était un résultat qui pouvait être tout à fait intéressant et porteur d'avenir quand on voit ensuite les périodes de vaches maigres électorales qui ont suivi pendant pas mal d'années. Mais justement, c'est peut-être ce constat de Pompidou a récupéré l'héritage gaulliste. Mitterrand est en train de faire son programme commun, son union de la gauche. C'est peut-être ce constat qui nous a amené à vouloir créer un vrai parti dans lequel pourraient se reconnaître les déçus des uns et des autres. D'où la volonté de s'inscrire dans le jeu électoral, la volonté de devenir un vrai parti et de créer le Front National. – Mais avec, si l'on considère le jeu électoral, vous avez à la fin de votre ouvrage une petite chronologie dans laquelle vous indiquez les tentatives électorales d'Ordre Nouveau. Évidemment, il fallait un certain optimisme à l'époque pour penser que c'était une voie intéressante à explorer. – Mais tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec cette vision de l'avenir, cette confiance en l'avenir. C'est une chose importante. Que j'aime bien souligner, c'est qu'à l'époque, nous étions fondamentalement optimistes. Oui, tout à fait. Et nous aimions la vie, nous étions sûrs que la vie et l'avenir nous L'optimisme de la jeunesse. L'avenir nous appartient, selon la formule, la formule célèbre. Optimisme de la jeunesse, mais là encore, ce n'est pas l'apanage de la jeunesse, l'optimisme. C'est l'apanage de ceux qui ont une force d'âme, ceux qui ont confiance en eux, en leur peuple, en leur destinée. Pleurnicher aujourd'hui parce que tout va mal, c'était pas notre genre. De la confiance en l'avenir, il en fallait à l'époque, avec le recul dont nous disposons maintenant, quand on voit les dégâts opérés par la révolution culturelle de 68, il y a eu carrément deux générations qui ont été perdues. Là. Mais si on veut, on peut aussi être pessimiste aujourd'hui, c'est plus deux, maintenant c'est quatre, cinq générations complètement j'ai envie de dire bousillé par l'éducation nationale, par tous les programmes, etc. Mais c'est pas une raison. C'est au moment où la nuit est la plus sombre que la moindre lueur est la plus claire. Oui, mais à l'époque, je pense, la société dans son ensemble ne percevait pas le degré de gravité de la situation que ressentaient les jeunes militants d'Ordre Nouveau. C'est ça. Et là, les choses ont changé. Oui. Évidemment, aujourd'hui, ce qui peut expliquer les succès électoraux spectaculaires que connaissent certains. Les héritiers, certains héritiers. Certains mouvements, voilà. Certains héritiers. Je signale au passage que vous êtes une élue du Rassemblement national. Ben oui, ça nous rappelle la fameuse formule « Mon honneur s'appelle fidélité », n'est-ce pas ?– Oui, non, enfin, je suis une élue du Rassemblement national maintenant. Enfin, j'ai été élue sous l'étiquette Front National. Oui. Bon, ça a changé en cours de mandat. Oui. « Mon honneur s'appelle fidélité », oui, d'une certaine façon. Mais moi, c'est ça que j'ai appris à Ordre Nouveau. Oui. C'est que… quand on a rejoint ses camarades, quand on a retrouvé ses pères, ceux avec qui on a une communauté d'âme,
ça, tout est possible. Tout devient possible, oui. Alors il y a une question aussi qui est intéressante, je pense, c'est, nous avons évoqué tout à l'heure, Occident a eu Gérard Longuet, oui. Alain Madelin et quelques autres qui se sont retrouvés ensuite dans les appareils politiques, oui, qui ont fait de brillantes carrières. Pour ce qui concerne les gens venant d'ordre nouveau, est-ce qu'il y a eu des parcours un petit peu comparables ensuite dans ce que j'appellerais la politique professionnelle? Le premier nom qui me vient à l'esprit, oui, c'est Hervé Novelli. Hervé Novelli, tout à fait. Voilà, oui. qui était un militant d'ordre nouveau, et qui a fait une jolie carrière politique, il a été ministre. Je vous avais parlé de Madeleine et Longuet, ça c'était avant. Oui, oui. Et d'ordre nouveau, oui, c'est Hervé, Hervé Novelli. Oui. Il y en a eu quelques-uns donc, qui ont pu avoir une action ensuite à travers les appareils partisans classiques. Oui, qui ont fait une carrière dans les appareils politiques classiques. Aujourd'hui, 50 ans après, puisque ce petit ouvrage, il paraît à l'occasion du 50e anniversaire de la création d'Ordre Nouveau en 1969. Aujourd'hui, quel est l'héritage d'Ordre Nouveau? Est-ce qu'il en reste quelque chose? Est-ce que ça a été une simple étape très courte dans la constitution progressive, lente, laborieuse d'un bloc de résistance nationale tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, ou alors est-ce que ça a été un épisode passager lié dans une grande partie à un phénomène de génération? L'héritage d'Ordre Nouveau aujourd'hui, pour un certain nombre de cadres et de responsables dans différents partis politiques aujourd'hui, c'est leur formation, c'est leur école de formation, c'est là qu'ils ont tout appris, d'une part. Et sur la vie politique française, dans son ensemble, je continue, je reprendrai le propos que j'avais en début de l'entretien, les deux grands dossiers, les deux grands thèmes qui structurent tout le débat politique aujourd'hui en France, voire en Europe, mais on parle de la France, ont été identifiés, analysés par Ordre Nouveau il y a 50 ans. L'immigration, l'identité européenne. Le troisième thème, le communisme, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Donc je crois qu'il est là l'héritage d'Ordre Nouveau. À une époque où tout le monde considérait peut-être la chance pour la France. Voilà l'immigration, chance pour la France. Ben non, c'était pas ça du tout. Et il est là l'héritage d'Ordre Nouveau. Et puis je crois aussi pour nos descendants, je veux dire les jeunes militants d'aujourd'hui, dans les partis de droite ou dans les associations qui se disent de droite, hein, ou qui sont identitaires, ils vont aller chercher dans l'exemple Ordre Nouveau cette idée que on peut y arriver, on peut le faire. Et ça, c'est important. Alors, c'est bien. Il est intéressant de signaler aussi, en conclusion, vous avez évoqué le constat établi à l'époque à propos de l'immigration. Intéressant de rappeler qu'en 1973, c'est à partir d'un meeting réuni à la Mutualité sur cette question, halte à l'immigration sauvage, qu'au bout du compte, du fait des manifestations gauchistes engagées à l'époque, Ordre Nouveau va être dissous. Après 4 ans seulement d'existence. On voit bien là que d'une certaine manière, les jeunes d'Ordre Nouveau à l'époque avaient anticipé sur les évolutions ultérieures et avaient été, on peut le dire, dans une très large mesure, des pionniers. Absolument. Merci beaucoup Véronique Péan de ces commentaires. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Ordre Nouveau 1969-1973, Ordre Nouveau raconté par ses militants, donc une cinquantaine de communications, d'interventions, aux éditions Témoignages et Documents, mais je rappelle qu'il est facile de se procurer l'ouvrage à la Nouvelle Librairie au 12 rue Médicis. Ou sur Amazon. Merci. Merci. Nous,
nous avons laissé la dernière fois Alexander von Humboldt, ce savant de génie, et son compagnon de voyage Aimé Bonpland, le chirurgien botaniste, à Madrid, où ils sont arrivés en 1799. Très vite, les deux savants sont accueillis par le milieu scientifique madrilène et en particulier par le directeur du jardin botanique royal qui les présente au souverain espagnol Charles IV. Devant l'enthousiasme et le savoir des deux explorateurs, le roi leur donne les autorisations, les visas royaux nécessaires pour se rendre en Amérique. Le 5 juin 1799, Humboldt et Bonpland embarquent sur le Pizarro dans le port de la Corogne à la pointe de la Galice. Après une escale aux Canaries, où ils font assez rapidement l'ascension du pic de Teide, dans 3718 mètres, ils se dirigent vers l'Amérique du Sud. Le voyage dure un peu plus d'un mois et demi. Enfin, le 16 juillet 1799, Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland débarquent à Cumana, à l'est de Caracas. Commence alors pour les deux Européens un incroyable périple à travers l'Amérique. Venezuela, Colombie, Pérou, Équateur, Mexique, Cuba. Nous sommes à l'aube du 19e siècle. Imaginez les conditions dans lesquelles les deux hommes vont accomplir cet exploit. Ils vont affronter naufrages, attaques de bandits, de fauves prédateurs, évidemment les maladies tropicales de toutes sortes que l'on rencontre dans la forêt. Et ce qui est par ailleurs tout à fait étonnant, rappelez-vous à la précédente émission, ce petit Alexander chétif et maladif du château de Tegel semble s'être métamorphosé en un homme d'une résistance exceptionnelle. Il va en effet passer à travers tous les miasmes de la forêt tropicale et toutes les maladies que l'on contractait et dont on mourait généralement à cette époque. Après être resté 4 mois dans les environs de Cumana, les deux explorateurs décident de se diriger vers le delta de l'Orénoque. Humboldt et Bonpland parviennent alors à relever la position exacte du canal naturel de Quasiquiare, lien resté jusqu'alors mystérieux entre l'Orénoque et le Rio Negro, un affluent de l'Amazone. Ils localisent en plus la source de l'Orénoque. L'Amérique est pour les deux explorateurs un immense terrain de jeu où la passion de l'exploration, de la découverte, de la science que chacun des deux hommes a en lui, il s'en donne à cœur joie, relevant, mesurant, estimant, ramassant quantité d'herbes inconnues, analysant, déduisant. Ils étudient une foule de plantes et d'animaux connus ou inconnus, jaguars, lamantins, crocodiles, faisant des croquis. Oui, Humboldt a aussi un don extraordinaire pour le dessin. Alexander mesure avec ses appareils la température de l'eau, l'inclinaison magnétique, la longitude, la latitude. Il poursuit aussi ses travaux sur l'électricité en capturant des anguilles. Et enfin, Bonpland et lui découvrent les effets du curare. Les deux savants récoltent plusieurs milliers de spécimens de botanique. Ceux qui résistent à l'humidité et à la chaleur sont conditionnés et envoyés en Europe, mais prudemment, ils les envoient sur plusieurs bateaux pour être certains que les cargaisons arrivent à bon port. Bien leur en a pris, car une partie des échantillons va être perdue sur un des navires qui va faire naufrage, une autre est capturée par les Anglais, qui auront d'ailleurs la correction de rendre cette cargaison à Humboldt quelques temps après. Ils font aussi de l'ethnologie, découvrant des tribus indiennes et de multiples objets appartenant à des tribus disparues et dont ils visitent les vestiges, des temples. Et bien entendu, durant cette expédition, ils sont accompagnés par des Indiens qui transportent leurs malles de matériel plein de croquis et d'échantillons. Les explorateurs se déplacent à pied et en pirogue. Ils ont failli par ailleurs se noyer et ont perdu une partie de leur matériel en se retournant dans des rapides. Et ils sont surtout assaillis et piqué continuellement par des moustiques. Le voyage est loin d'être une promenade. Pourtant, leur renommée est telle. En outre, le roi d'Espagne a envoyé des instructions aux élites espagnoles des pays qu'ils traversent, qu'ils sont reçus par toute la bonne société, attendus, fêtés, c'est une grande distraction de leur arrivée. L'on met désormais tous les moyens nécessaires à leur disposition. Ils quittent bientôt le Venezuela pour Cuba, où ils apprennent que Baudin est à la tête d'une expédition qui va faire relâche à Lima. Passés en Colombie,
Les deux compères décident alors de rejoindre le Pérou à pied à travers les Andes. Ce voyage sur les hauts plateaux andins va durer un an, durant lequel Hulbert étudie les volcans, la sismologie, et en déduit que les volcans courent le long des failles terrestres. Pendant ce périple, l'un de leurs plus grands exploits est d'être devenus les hommes les plus hauts du monde en gravissant le 23 juin 1802 le volcan Chimborazo qui culmine à 6310 mètres. Alors, il s'avère que les deux hommes se sont arrêtés à 5878 mètres à cause d'une crevasse qui empêche l'accès au sommet et du mal altitude dont ils souffrent, mais ils acquièrent après cet exploit une gloire mondiale. Pendant cette ascension, il réalise également un relevé de la végétation selon l'altitude, qui est le premier travail en phytogéographie. Arrivé à Lima, ils prennent le bateau vers l'équateur et c'est durant ce voyage qu'Humboldt va identifier le courant marin froid qui porte désormais et encore aujourd'hui son nom. Ensuite, ils atteignent le Mexique. Ils le traversent pendant un an, continuant leur insatiable exploration. Ils décident de terminer leur voyage aux États-Unis où le président Thomas Jefferson les reçoit. Humboldt et lui d'ailleurs vont sympathiser, ils vont correspondre jusqu'à la mort du président américain. Ce voyage restera l'un des plus grands voyages scientifiques de tous les temps par la profusion et la valeur des informations récoltées en 4 ans. Des milliers de feuillets de notes contenant observations et relevés scientifiques par centaines, des échantillons par milliers, dont 6000 nouvelles espèces de plantes. Jamais une telle expédition n'avait encore eu lieu sur le continent américain. Chateaubriand écrira dans Voyage en Amérique : « En Amérique, l'illustre Humboldt a tout peint et tout dit ». Désormais, on surnommera d'ailleurs Alexander von Humboldt le second découvreur de l'Amérique. Le 30 juin 1804, les deux aventuriers quittent l'Amérique et rentrent en Europe. Humboldt s'installe à Paris et reprend sa place dans le monde scientifique de la capitale. Il devient l'ami du physicien Arago et du chimiste Gay-Lussac, avec lequel il mène des expériences sur la composition de l'atmosphère et encore sur le magnétisme de la Terre. Il fréquente toute la bonne société parisienne, dans les salons, dans lesquels il rencontre justement Chateaubriand, et il est reçu par Napoléon, qui ne mesure pas du tout le génie du personnage et le soupçonne même d'espionnage pour le compte de la Prusse. En 1826, Humboldt retourne à Berlin, même s'il continue à revenir régulièrement à Paris. Il demeure d'ailleurs toute sa vie un observateur des relations franco-prussiennes. Encore visionnaire et plein d'énergie, il organise une réunion scientifique à Berlin à laquelle participent 600 savants. C'est le premier grand colloque scientifique au monde. Mais il n'a pas fini de voyager, car en 1827, à 58 ans, le tsar Nicolas Ier l'invite à parcourir et à explorer l'Oural et la Sibérie pour étudier les richesses minières de la région. Humboldt ne se fait pas prier. Il boucle en 6 mois l'aller-retour Saint-Pétersbourg, frontière de la Chine, tout en ayant effectué, évidemment, à nouveau une quantité astronomique de mesures dans tous les domaines. Alexander von Humboldt a été décoré, distingué, a été membre de plusieurs éminentes sociétés scientifiques, en particulier en France. Ses connaissances, sa sagesse, son intuition et son génie scientifique en font l'un des plus grands esprits de son temps. Il a révolutionné l'observation et l'analyse dans bien des domaines. Sur le plan personnel, il est resté célibataire toute sa vie et il s'éteint de mort naturelle à l'aube de ses 90 ans, le 6 mai 1859. Durant toute sa vie, il a entretenu une formidable correspondance. On estime que Humboldt a reçu et envoyé plus de 100 000 lettres. Sa maison était parfois envahie par le courrier. Il se plaignait même d'en recevoir trop, demandant qu'on s'occupe moins de lui. Pourtant, la plus grande partie de sa correspondance et de sa bibliothèque a été détruite. D'abord, il commettra l'erreur de léguer les 11 000 titres de sa bibliothèque à son valet, et ceux-ci furent dispersés dans plusieurs ventes aux enchères et une grande partie détruite dans un incendie chez Sotheby's. Et enfin, les documents que la famille d'Humboldt possédait encore ont été détruits durant les combats et les bombardements de Berlin en 1945. Je vais terminer ce portrait d'Alexander von Humboldt par une phrase extraite de sa grande œuvre « Cosmos » publiée juste avant sa mort. « Par une heureuse connexité de cause et effet, souvent même sans que l'homme en ait la précision, le vrai, le beau, le bien se trouve lié à l'utile. »